Et il m'a demandé que désires-tu, j'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Tu n'acclames pas encore. Akutata sima deji akutata sima deji akutata sima deji nyo era ilo mi lo ku yonu serafin je me nomme ku yonu serafin ngosi seku ibaten je viens de seku ibaten mau anda horo ponu bonja manu toguma uton Dieu m'a fait de grandes choses, j'aimerais partager avec le peuple de Dieu. Semaine passée de waiyo la semaine écroulée. Mon enfant avait contracté une maladie. Je l'ai amené à l'hôpital trois fois. Mais la fièvre ne descendait pas. Mais le dimanche passé, dans la nuit tardive vers 20h, il a commencé par pleurer. Il criait depuis 20h jusqu'à 1h du matin. J'ai eu peur. Elle a refusé de téter. Nous avons retourné à l'hôpital. Ils ont travaillé pour lui, lui a injecté les choses jusqu'au petit matin. Mais ça ne se calmait pas. Jusqu'à 11h environ, l'enfant commençait par avoir des convulsions. Et nous a référé maintenant au grand hôpital. Et mon mari m'avait mis sur un chien. Arrivé sur la porte de l'hôpital, mon mari me disait, attends pour qu'on appelle notre pasteur d'abord. Je lui disais, regarde l'état de l'enfant. L'enfant ne parle plus, il ne bouge plus. C'est pour cela, attends pour qu'on entre d'abord dans l'hôpital. Il me disait non, attends pour qu'on appelle loin de l'Éternel. Et il a appelé notre pasteur. Et notre pasteur nous disait, n'entrez pas dans l'hôpital. Retournez avec l'enfant et amenez-moi l'enfant. En même temps, on s'est retourné. Je disais que la volonté de Dieu soit faite. Arrivé à la porte du pasteur, l'esprit me disait, si tu rencontres seulement l'homme de Dieu, ton enfant serait guéri. Et en vérité, quand j'ai pénétré, j'ai dénoué mon enfant que je lui ai remis. Et il a pris l'enfant en main. Il a regardé les cieux. Il a regardé sur la terre. Et il disait, dans le nom de Jésus, dans le nom du Dieu de mon père, François Xavier Alopé, maintenant même j'ordonne que la vie pénètre cet enfant. En même temps seulement, l'enfant qui ne bougeait pas a commencé à bouger. Tu n'acclames pas bien. Ou bien tu as rejoint l'autre camp. Ou bien tu as rejoint l'autre camp. Si tu n'as pas rejoint l'autre camp, il faut acclamer très fort. Quand on appelle son nom, des miracles se produisent. L'enfant était totalement anémié. Il n'a commencé pas à prier pour l'enfant. Et il a ouvert la bouche de l'enfant. Et il lui a fait boire l'eau des partenaires. Et l'enfant a avalé. Et il m'a demandé de lui donner les seins. Et je disais, homme de Dieu, il n'arrivait plus à téter. Il me disait, donne-lui seulement les seins. En même temps, j'ai obéi à sa voix. Et l'enfant a pris les seins.
J'étais très contente et il nous a ramené ensuite à l'église. Et l'enfant était totalement guéri. Acclame encore une fois. Acclame encore une fois. Acclame très fort. Et il m'a demandé que désires-tu. J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort. Akuntiacha Simandedi Akuntiacha Simandedi Noi Togan Gloria. Je m'appelle Togan Gloria. Eblo kwero po ba milo ni ko asuche kwero vi ba ba milo mi mo ya. Il y a une année mon mari et moi nous désirons le fruit des entrailles que nous n'avons pas trouvé. Bon mi gbon bo kono le gon ta mi. Nous avons parcouru chez beaucoup de féticheurs. Edo fi po le se. Ils nous ont dit que l'utérus n'est plus là. Ce sont les féticheurs qui ont dit ça. Oui. Donc, ils nous ont donné des bacs, ils nous ont fait des tisanes à utiliser. Donc, nous quand j'utilise ces médicaments dans un seul mois, j'ai mes menstrues deux fois. Bon, le 1er février. Le 1er février 2022, j'ai dit à mon mari, maintenant toi tu m'as amené chez les féticheurs, ils ont fait fatiguer sans succès. Maintenant, le Dieu chez qui moi je viens à Port de Vie, maintenant j'irai vers lui et il le fera pour moi. Bon, wa so. J'étais là hier au début du réveil. Quand je voulais quitter la maison, je me suis dit en moi que tout ce qu'on m'avait donné chez les féticheurs, j'allais ramener ça ici à l'église. Et l'esprit me disait, appelle, informe-le en même temps. J'ai appelé, maman a pris l'appel. J'ai dit à l'épouse de l'homme de Dieu que je viens à la prière. Mais il y a certaines choses chez moi que je veux ramener. Elle m'a demandé si les choses sont avec moi. J'ai dit oui. Elle m'a demandé de les amener. Avant que je ne quitte la maison, une voix me disait, faut bien t'habiller, porte une culotte en bas. J'ai porté une couche. Et quand je suis venue toujours, j'ai été m'inscrite pour la ligne de prière. Quand l'homme de Dieu a commencé pas prier pour ceux qui se sont inscrits pour la ligne de prière, j'ai senti qu'il m'a imposé la main. Après l'imposition de sa main, je suis tombée, on m'a ramené de l'autre côté et j'ai senti qu'une masse est tombée de mon intimité et est tombée dans la couche que j'avais porté. Quand je suis allée à la maison, j'ai enlevé la couche, j'ai regardé ce qui était tombé, j'ai pris la photo et j'ai dit, arrivé aujourd'hui, je vais partager ce témoignage avec le peuple de Dieu. Acclame très fort Jésus. Pourquoi la honte Jésus? Aïe, 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 aïe. Vous regardez ça sur l'écran. Mido, nous en pourrions. Ce n'est pas les menstrues. Hein. Ça, c'est un glumeau de sang. Ce n'est pas menstrué. Si vous voulez, venez, on va vous donner l'image. Vous allez aller faire les analyses pour voir. Une seule touche. Alors, ma ouzo a tort ton opo.
tu as dit que la adonoise misa donte ka zewitan tu as dit que la chose t'a propulsé là-bas. Qu'est-ce qui t'a poussé là-bas ici? Amondezewe. Tu as vu ce qui t'a propulsé ici? Je n'ai rien vu. On mo zewe pon. De ayi boko no lego ndezewe don. Quand tu étais allé chez les petits, tu as quelque chose t'a déjà propulsé ici? Non. Oh, est-ce que tu peux acclamer? Aïe. Nous servons un Dieu puissant ici. Voilà ce que Dieu a fait dans ta vie. Maintenant que Dieu a ôté l'obstacle, ton enfant peut apparaître. Lance un message à ceux qui nous suivent actuellement sur Pop TV. Ceux qui continuent d'aller encore chez les féticheurs. Vous qui me suivez sur Pop TV et le peuple de Dieu, je vous demanderai simplement de donner votre vie à Jésus. Si on vous oriente vers les féticheurs et vous y allez, c'est le démon qui les utilise. Et ils ne feront que des choses fausses. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort. Acclame très fort. Acclame-nous Jésus. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Tu n'acclames pas encore. Acclame très fort.